ce qui se passe dans leur tête quand il y a plus de mémoire, quand il n'y a plus rien, enfin au niveau cognitif, il y a encore cette mémoire émotionnelle qui est là et je trouve ça très riche et en même temps on est là aussi pour les rassurer, les désangoisser. Enfin, je pense qu'on peut leur apporter beaucoup de choses de par une attitude contenante, empathique et simplement humaine, quoi. Je pense que c'est important d'être dans l'empathie, dans l'écoute, essayer de comprendre aussi la douleur, leur ressenti. Mais il y a beaucoup de richesse dans les échanges, il y a aussi beaucoup de soutien apporté aux patients. C'est des gens qu'on voit 3 fois par semaine avec une durée indéterminée. Ça peut être 6 mois, là comme moi 10 ans. Donc forcément, on a un soutien qui dépasse le côté médical. C'est vraiment un soutien de tous les jours, de tout le temps. Et moi, en concernant, c'est un soutien infaillible parce que c'est vraiment, je sais que je peux compter sur elle à tout moment, à n'importe quel moment. Si j'ai un souci, je peux appeler et puis je sais qu'elles seront là présentes pour moi. Donc c'est vrai que ça, on ne le trouve pas dans tous les services et c'est super. On n'est pas que des personnes qui font du technique, on n'est pas que des infirmières qui font du technique. C'est surtout d'abord le relationnel. Il faut venir vraiment souriante, attentive, voilà. Là, il faut se dire qu'on a beaucoup de confort, on a la télé, on a le wifi. Dans certains hôpitaux, ils ne proposent pas ça. Et ça change parce qu'il faut vous dire qu'on reste 4 heures dans un lit. S'il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le wifi, on s'ennuierait à mourir. Alors, je voudrais juste remercier toute l'équipe de la dialyse de Saint-Amold, autant les infirmières que les médecins, que les aides-soignants, parce qu'ils ont toujours été présents pour moi. Je parle pour moi, je parle pour les autres patients. Chacun a sa vue. Mais moi, c'est vraiment un grand, grand, grand merci pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils m'ont apporté dans ma vie depuis que je les connais. Et je leur fais plein de gros bisous. Merci à l'équipe. Ici, on accompagne des jeunes qui sont ici dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour la plupart. Ces jeunes arrivent ici pour 6 mois, renouvelables une seule fois. Durant ces 6 mois, on doit les accompagner dans des activités. Ce sont des activités qui se font au quotidien. Il y a un atelier art plastique, il y a un atelier menuiserie, il y a aussi des activités aussi qui se font en dehors du centre éducatif fermé. Moi, j'anime une activité qui est une activité musique et écriture. Pourquoi musique et écriture? Parce que ça permet aux jeunes de s'exprimer, de valoriser certains acquis qu'ils avaient avant d'être là. Ça permet aussi l'estime de soi. J'ai toujours rêvé de quitter
cette planète, mais va avec une comète. Moi je suis pas de comète, mais dans le rap j'essaie de tout donner. Dans ma vie j'ai fait des délits, mais j'espère que je serai pardonné. Dans ma tirure j'avais pas de monnaie, mais maintenant tout a changé, j'ai commencé à charbonner. Moi je suis toujours au paix, en prison j'étais enfermé, en train de fumer des roulés, mais je rêvais juste de liberté. Parle pas de misère, je suis placé en CEF pour 6 mois de galère. Enlevé de mon secteur et de mes terres, je me suis pas écrasé, non non. Toujours debout, prêt à remettre des coups. Quand je me couche les soirs, ma tête tremble. Auprès de ces jeunes, on joue un rôle d'éducateur, d'accompagnateur. Les jeunes, il faut savoir que les jeunes, quand ils sont là, ils ont ou ils n'ont pas des acquis. Donc, nous, quand on travaille avec eux, on travaille avec le jeune, avec ses potentialités, mais aussi avec leurs faiblesses. Donc, on est là au quotidien, on les accompagne. Sur le site de l'ADEPA, on accueille plusieurs classes sur des thématiques liées au développement durable, à l'animation nature et aussi des activités autour des arts du cirque. Donc j'ai toujours été passionné par la nature, par l'environnement et j'ai senti très tôt que j'avais une vraie volonté en fait à faire partager ce que je savais et ma sensibilité pour la protection de l'environnement. Ils sont très demandeurs, c'est des sujets qui les passionnent, ils ont énormément de questions là-dessus. En plus, ils sont très contents de sortir du contexte de la classe et de se retrouver en forêt. Le courant passe toujours avec les animaux, que ce soit des petites bêtes comme des grosses, ça les attire énormément. Et je me dis rien que pour ça, bah, ça vaut le coup de faire ce métier-là. Moi, je suis conseillère en mobilité au sein de la plateforme de Forbach, dont j'accompagne des salariés ou des demandeurs d'emploi en insertion sociale et professionnelle qui rencontrent des soucis de mobilité dans leur quotidien pour se rendre à leur lieu de travail. Et de là ensuite, on fait le bilan. Le bilan dure à peu près une heure, où on travaille sur leur situation sociale, professionnelle et leurs moyens de déplacement au quotidien. Et ensuite, de là, on pourra travailler avec eux sur un plan d'action et savoir, sous forme de plusieurs étapes à court, moyen et long terme, les services qu'on peut leur proposer. Au niveau des services matériels, on peut leur mettre à disposition des voitures et des scooters à des tarifs sociaux. Pour moi, c'est une forme de fierté, car je sais qu'au niveau de notre territoire, le deuxième frein majeur au niveau des personnes, c'est la mobilité. Et le fait de me dire que je peux contribuer de par mon rôle et mon métier, c'est un bien pour moi, en sachant que nous, on vient juste d'ouvrir début septembre 2015, et que sur 107 accompagnements, on a 28 personnes bénéficiaires de nos services qui ont eu un accès ou un maintien à l'emploi. Donc c'est très bien.
Alors, nous avons accueilli il y a quelques mois de cela une personne en situation de handicap vieillissant. Et du coup, on n'avait pas forcément quelque chose d'adapté pour elle, pour son projet personnalisé. Donc avec l'équipe, on a travaillé ensemble dessus, quels étaient ses centres d'intérêt. On a mis ça en place pour la dame qui aime bien dessiner. Elle avait rien en fait approprié pour elle. Donc on lui a construit un petit bureau inclinable. On en avait parlé avec le chef et puis il a dit qu'il faut qu'on mette en place, enfin nous les ouvriers, quelque chose d'adéquat pour la dame. Alors voilà, ça nous est venu comme ça. Je suis fier. On est fier. L'équipe est fière, on va dire. Surtout de voir son visage ce matin, ça fait plaisir. La vie d'Ernest, elle est constituée carrément des souvenirs et des anecdotes des résidents. C'est-à-dire qu'on met à la vie d'Ernest des morceaux de vie des résidents. Donc c'est une histoire complètement inventée, mais avec des passages de la vraie vie. Donc Ernest, il devient globe-trotteur, il part de maison de retraite en maison de retraite et on apprendra sur lui énormément de choses à travers aussi bien les souvenirs que les animations de mes collègues des autres maisons du groupe. Le 4 janvier 15, j'ai fait un infarctus, ce qu'on appelle l'AVC. Donc on accueille Madame Servet en mars 2015. Elle vient donc de l'hôpital, elle arrive gravataire complètement. Et elle était dans un bien triste état, c'est-à-dire que maman était alimentée par une poche gastrique. Elle ne pouvait absolument rien avaler, même pas de l'eau. Elle ne communiquait pas, elle ne pouvait plus parler. Elle était complètement hémiplégique. Elle était très renfermée, peut-être presque dépressif. Grâce à une équipe consolidée, on a pu construire le projet d'accompagnement personnalisé de Madame Servet. Et effectivement, on est arrivé à des résultats qui sont plus que positifs. Les soins mis en place pour Madame Servet sont la kiné, l'orthophonie, les soins de confort au niveau des aides-soignants et tous les soins infirmiers. C'est tout le travail d'une équipe en fait, hein, que ce soit les aides-soignantes, infirmières, les intervenants extérieurs. Et la volonté aussi de Madame Servet, parce que c'est quelqu'un qui est très très volontaire. Elle a des projets, elle parle beaucoup, elle espère marcher, elle est confiante, hein. Elle mange à nouveau. Enfin, c'est une personne qui a repris des habitudes, excepté la marche qu'elle ne peut pas pratiquer encore, elle l'espère, hein. Mais elle a repris quand même, elle a repris un peu goût à la vie, même si c'est une personne différente. Et pour les équipes, et pour moi-même en tant que directrice, c'est une belle récompense. La journée bien-être, c'est une journée dédiée à des activités
pour les personnes accueillies sur le foyer d'accueil médicalisé et foyer d'accueil spécialisé de Créange. Voilà, des activités liées au bien-être. Vous savez, une fois que vous rentrez dans des maisons comme ça, et quand vous avez affaire avec des personnes qui sont atteintes d'autisme, ils sont tellement, comment dirais-je, ils ont très très peu de communication, hein, c'est plutôt la communication non-verbale, ils sont très très attachants et puis une fois que vous y êtes, vous ne pouvez plus le lâcher, c'est pas possible. Hein. On peut constater quand même que c'est des moments qui sont importants pour eux, qui changent un petit peu de leur quotidien, qui leur apportent visiblement de la joie et du bien-être. Bien, bah, j'ai appris avec beaucoup de plaisir que votre équipe est allée rencontrer l'ensemble des équipes du groupe SOS dans le Grand Est, que vous avez rencontré des stars, parce que ce sont des stars, auprès des adolescents, des enfants. Et Antoine Rouillé-Dorfeuille, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, évidemment, s'associe à moi pour les remercier au quotidien, que ce soit en Alsace, que ce soit en Lorraine. C'est une réelle dynamique avec des ponts qui existent déjà, qui restent à créer, qui restent à développer entre nous, les savoir-faire dans le domaine de la santé qui doivent profiter aux seniors, la bientraitance et les qualités de vie qui doivent inspirer aussi dans le domaine de la santé. Ces synergies sont tout à fait essentielles pour développer l'innovation, c'est parce qu'on invente des choses parfaitement adaptées à tel public qu'on se rend compte que ça va pouvoir servir pour tel et tel autre. Et c'est la richesse du groupe. On a une vraie force dans le Grand Est pour pouvoir la mettre en œuvre. Et donc, merci à vous tous de le faire au quotidien, aujourd'hui et demain. Et merci d'avoir contribué à illustrer à tous aujourd'hui pour cette journée qui nous réunit chaleureusement nos savoir-faire, nos richesses d'aujourd'hui et de demain. Because I'm happy. Come along if you feel-